Bonjour, monsieur. Qui es-tu? Où est ma femme? Dans la chambre. Bébé. Ah. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Tu es déjà revenu? Oui, j'ai vu quelqu'un nettoyer la maison. Et qui est-elle? Oh, celle-là, c'est la bonne. C'est mon amie Sandra qui me l'a présentée. Tu te rappelles d'elle, n'est-ce pas? Une bonne? Oui. Je pense qu'on avait déjà conclu sur ça. On n'a pas besoin d'elle. Bébé, nous avons connu pas mal de soucis dans cette maison. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'aide. S'il te plaît. Tu as fait tous des arrangements sans m'informer. Ça, ce n'est pas être gentil du tout. Non, ce n'est pas être gentil. Bébé, je suis désolée. Mais elle est déjà là. Ok, alors pourquoi elle ne fait pas une période d'essai? Et une fois la fin du mois, on verra ce que ça donne. Oh mon Dieu, j'ai gagné. Merci bon, beaucoup, bébé. Oui. Je ne le suis pas. Messieurs, votre déjeuner est servi. Appelle ma femme. Tu ne sais pas qu'est-ce que je prends le matin pour le petit déjeuner. Je vais appeler votre femme. Messieurs, laissez-moi vous dire que ce que je vous ai servi, c'est du banane plantain et les haricots. Waouh! Et comment sais-tu que je prends de la banane plantain avec des haricots chaque matin? Votre femme m'a tout raconté sur vous. Oh, vraiment? Oui, monsieur. Elle t'a tout dit? Tout, monsieur. Intéressant. Dois-je appeler votre femme? Non, non, tu peux partir. Bon appétit, monsieur. Merci. Anosier. Oui, patron. Viens là. Patron, bon après-midi. Oui, viens là. Je faisais juste un petit tour et j'ai remarqué que tu as lavé la voiture. Oh gars, je ne devais que le faire, non? Oh gars. Tu sais, c'est la première fois que tu laves cette voiture sans que je ne te demande de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur toi? Non, patron, ce n'est même pas ça. Patron, vous savez comment vous vous sentez quand vous avez bien mangé avant de dormir ou vous dormez sans être dérangé par le patron. Désolé, patron. Bien, je vais juste te commander pour avoir fait cette seule chose que je te demande de le faire. Hé, hey, Oga, mais je suis confus, non? Quelle autre chose encore, hein? Moi, je n'ai rien fait du tout. Quelle chose je dois faire, hein? Dites-moi. Non, laisse tomber, ne t'inquiète pas. Tchaï! Hey, oh gars! La voiture est bien propre, ces gars bien travaillé, oh! Hey! La voiture ressemble à un miroir. Aïe! Allons-y.
ce n'est pas toi qui as lavé cette voiture. Je devrais normalement le faire, mais j'ai donné à ces gars qui nettoient les voitures. c'est pas moi qui l'ai fait. Disparais de ma vue. Désolé, monsieur. Ouvre-moi vite ce portail, idiot. Désolé. Désolé, monsieur. Alors, ma chère, comment avait-il réagi? Ma sœur, tu me demandes? C'est juste à ce qu'on s'attendait. Mmh. Il n'était pas du tout d'accord avec ça, mais je sais qu'il finira par Il accepter. Ferait vraiment mieux. Je sais. Parce que le mariage n'est pas un travail qu'on commence à 8 heures pour terminer à 17 heures. C'est ça, ma sœur. Ou encore entrer pour sortir comme tu veux. Non, non. Ma sœur, à propos, il était déçu parce que je ne l'avais pas informé. Oui, je lui avais parlé de ça. D'ailleurs, on avait discuté longuement à ce sujet, mais il avait décidé de ne pas y prêter attention. Mais je suis ravie parce que tu l'as emmené. Donc, il n'aura plus d'autre option que celle de l'accepter. Oh, les hommes. Je connais très bien les hommes. T'inquiète. Sais-tu quand est-ce qu'il va t'apprécier? C'est lorsqu'il te cherchera sans pour autant te voir. Je te rassure, ma chérie. Tu peux le dire encore, ma soeur. Ah, wow. Tu sais quoi? Tu es un ange. Tu peux le dire encore. Tu m'as vraiment sauvée. À quoi sert donc l'amitié? J'ai vraiment ma chérie, aimé. C'est pour toi que je le fais. Allez, on y va. Bon retour, monsieur. Et où se trouve ma femme? Monsieur, elle n'est pas encore revenue. C'est toi qui as lavé ma voiture? Oui, monsieur. Tu as fait un très bon travail. Monsieur, ça fait partie de mon travail. Bien, en fait, ça, ce n'est vraiment pas ton travail. Ça, c'est le travail du... portier, mais cet homme paresseux ne fait vraiment rien de spécial ici dans cette maison. Monsieur, ne vous inquiétez pas, je peux le faire tout le jour, ça ne me dérange pas. Mais je vais très sûrement t'ajouter quelque chose pour ça. Non, je ne peux pas le payer, le nourrir, faire tout pour lui pendant qu'il ne fait rien ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Ok, monsieur. J'ai préparé la sauce bangwa et les foufou pour le dîner. Oh, mon Dieu, ça fait vraiment des années que je ne l'ai pas mangé. Je commence à t'apprécier dans cette maison. Merci, monsieur. Oui, entrez. Bon après-midi, monsieur. Oui, bonsoir. Le lessiveur est déjà arrivé? Non, monsieur. Et comment est-ce que tous mes habits sont déjà lavés et bien repassés? Je suis désolée, monsieur. J'aurais dû avoir votre autorisation avant de les laver. Veuillez me pardonner, ça ne va plus se répéter. Désolée. Non, c'est bon. Tu as fait un très bon travail. C'est très bien. Comment tu t'appelles encore?
Charité, monsieur. Charité. Je ne savais pas qu'une fille de ton statut pouvait être aussi productive. Je dois vraiment te le dire. Un très bon travail. Merci, monsieur. De toute façon, mets-les tous ici. Je vais les arranger plus tard. D'accord, monsieur. Merci. Oh. Très intéressant. J'apprécie beaucoup ce que nous partageons. Tu sais, chérie, tu sais, pour la première fois, des plusieurs fois, tu avais vraiment raison. Hein? Oui, nous avions vraiment besoin d'aide. Cette fille, Charité, elle fait exactement toute chose, même avant que tu lui dises la chose. Je croyais que tu étais en colère parce que je l'avais ramenée. D'ailleurs, je vais la renvoyer demain matin. Oui. Non, pas ça. Ah, attends, tu verras. Tu n'oseras pas le faire. Mais pour de vrai, elle travaille vraiment dur, ma chérie. Est-ce que tu sais qu'elle a lavé la voiture? Sérieux? Oui. Et c'était plus que propre. Et ce n'est pas comme ton porté inutile à nos yeux. Oublie. Qui ne fait rien du tout de ce qu'on lui demande. Oublie cet idiot, chérie. À propos, bébé, tu as raison. Si Charité peut tout faire dans cette maison, alors je ne crois pas qu'on aura besoin d'un portier. Non, je ferais mieux d'avoir un nouveau portier. On ne peut pas lui demander d'être encore au portail. Ça va être beaucoup de travail pour elle. Ah oui, tu as raison. Et merci beaucoup. Merci pour ces belles initiatives, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci beaucoup, chérie. Alors, cela veut dire que je dois aller au lit. Demain, j'ai une présentation au bureau. Ah, d'accord. Je te rejoins bientôt, ma chérie. Il est temps que je finisse ce film-là que je regarde. D'accord, bébé. Ne me fais pas attendre. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. Bonne nuit, chérie. Ça, c'est ce que tu fais à mon absence, n'est-ce pas? Bébé, chérie, je ne comprends pas. J'ai trouvé ceci en dessous de l'oreiller. Mais comment... je ne comprends pas ce bébé, visage. Ne me donne pas ce visage innocent, ok? Tu sais très bien ce que fait ce sous-vêtement dans notre chambre. Donc, tu me trompes. Bébé, pour de vrai, je suis vraiment confus. Ok, tu es sûr que ça n'appartient pas à la servante? Celle qui est arrivée ici juste hier? Ce sous-vêtement est un sous-vêtement de marque, chérie. Comment cette fille locale peut s'en acheter, dis-moi? Hein? Chérie, je te dis la vérité, je te dis que je ne sais vraiment rien de toute cette histoire, ma chérie. Tu sais quoi?
Je ne peux pas vivre dans une même maison avec un homme qui me trompe. Tu m'as vraiment déçu, Chris. Chérie, ne me dis pas que tu t'en vas à cause de ce que tu as vu dernièrement dans notre chambre. Vraiment? C'est pas une raison suffisante pour qu'une femme quitte son homme? Chris! Je ne peux pas rester dans un mariage où un homme me trompe. Et avec toutes les preuves, il continue toujours à nier. Mais ma chérie, est-ce que tu essayes vraiment de me dire qu'après toutes ces années passées ensemble, tu n'as toujours pas confiance en moi? Chris? Oh mon Dieu! Essayes-tu de nier ce que j'ai vu avec mes propres yeux? La preuve est encore là! Qu'est-ce qui te manque pour me dire la vérité? Je vais te pardonner! La vérité que je ne sais même pas comment ces sous-vêtements s'est retrouvés dans notre chambre. Je t'ai dit que je ne sais pas! Tu ne peux pas me pousser à accepter ce que je n'ai même pas fait! Sérieux? À ce point, en tout cas, c'est fini. Chérie, bébé... Fiche-moi la paix! Votre déjeuner est servi. Remets-la à la cuisine, je ne suis pas intéressé. Monsieur, est-ce que tout va bien? Je veux bien, juste va-t'en. D'accord, monsieur. Charity. Monsieur. Est-ce que par erreur, tu as eu à laisser ton caleçon, ton sous-vêtement sur mon lit? Caleçon? Monsieur, qu'est-ce qui réfère mon caleçon sur votre lit? Jamais de la vie. C'est bon, ça va, tu peux partir. Monsieur, je ne sais absolument rien de tout ça. Vas-y. Ma chérie, es-tu sûre à propos? Es-tu sûre qu'il l'a fait? Sandra, qui peut garder un truc privé de femme du genre un sous-vêtement sous mon oreiller? Hein? As-tu demandé à ta bonne? Sandra, c'est toi la personne qui m'avait conseillé d'aller chercher une fille du village? Oui, c'est moi. Et c'est le genre de fille que tu m'as amenée? Et... crois-moi, Sandra, je peux me taper la poitrine. Mon mari n'a absolument rien avec cette fille. Tu peux en être sûre. Yeah. Mais ce que je ne comprends pas, comment ces sous-vêtements sont apparus sur mon lit? Tu as raison, mais... comment est-ce que ton sous-vêtement est arrivé dans ta chambre? Honnêtement, Sandra... je suis vraiment déçue de ton mari.
Je ne l'ai jamais vu comme un homme irresponsable. Sandra, c'est ça la nature des hommes. Juste quand tu penses que tu as gagné son amour et sa confiance, c'est en ces moments-là que tu verras son vrai visage. Et tu verras qu'il ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. Honnêtement, ma chérie, c'est la pire désolation. Si au moins tu savais que ça allait arriver. Tu allais rompre avec lui depuis très longtemps. Tu peux le dire encore. Mais d'accord, tout va très bien se passer, ok? Ok. Je suis là pour passer un peu de temps avec toi. Je ne veux plus rentrer dans cette maison. Ça, c'est ta maison. Tu es libre. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, ma chérie. Laisse-moi te chercher quelque chose, alors. Mais d'abord, sois très calme, s'il te plaît. Maîtrise-toi. Merci. Tout va très bien se passer. Je te jure, ma chérie. Hé, qui est là? Attends. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, monsieur. Bonjour, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je balaye la parcelle. Qui t'a envoyé? Est-ce que je t'ai dit qu'il faut balayer la parcelle? La parcelle était sale, alors je m'étais décidé... Tu as décidé de faire quoi? Écoute, tu n'es pas ici pour me provoquer. Donc toi, s'il y a un travail qu'on t'a pas demandé de faire, alors toi, tu veux le faire. Écoute, hein, tu vois cette parcelle? À partir d'ici, là-bas derrière, partout ici. C'est à moi, c'est mon travail. Ah. Il ne faut pas travailler ici. Laisse-le pour moi. Qui t'a vraiment demandé de venir balayer cette parcelle? Je faisais ce qui était dit. Ne m'aide pas, n'est-ce pas toi? Qui t'occupe du patron? C'est pas toi. Tu t'occupes des habits du patron, tu nettoies les habits du patron. Tu penses que tout ça, moi, je connais pas. Tu les repasses même aussi. Tu les plies dans la valise. Hein? Et même l'autre jour, le patron t'a félicité. Moi, je te surveille, oh. Tu nettoies même la chambre des patrons. Tu avais même nettoyé la voiture des patrons. Tu penses que je ne sais pas? C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Ne me dis pas que je me trompe, hein. Fais gaffe. Laisse ce travail pour moi. Tu m'as bien compris? Oh, oh, tu penses que je ne connais pas tes plans? Je connais ton plan. Ton plan, c'est... Tu veux faire ce travail seul, comme ça le patron va dire que moi, je ne fais rien du tout et il va me chasser d'ici. Comme ça, tu vas aller au village, prendre ton putain de frère et venir le faire employer. Monsieur Portier, veille sur ta bouche, ok? Je ne te comprends pas. C'est quoi? Parce que tu me vois travailler dans cette parcelle que tu crois que tu veux me parler n'importe comment? Tu moi. Te prends pour le patron? Respecte-toi. Voyez-moi cette chose inutile qui ne fait rien dans cette parcelle et me parle n'importe comment. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne fais ce qui t'est dit. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et je le ferai encore et encore. Je sais que c'est parmi tes plans, mais cela ne va pas marcher. Ton plan ne marchera pas. Arrête. Respecte-toi. Fais gaffe. Et si tu me vois dans cette parcelle, passe à gauche, toi tu passes à droite. Évite-toi, je Donc c'est comme ça que. Évite-toi, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de ton aide. Respecte ce que je t'ai dit. Respecte-toi. Laisse-moi travailler. Quitte là, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je parle et toi tu continues. Écoute, bon, tu écoute. M'écoutes pas. Balaye encore, je c'est vais quoi voir. Ton problème? Balaye, si tu es femme, balaye, moi je vais pas voir. Arrêter. Non, essaye, tu vas voir. Écoute, c'est comme si j'avais besoin que je te donne-moi ces balais. Respecte-toi. Donne-moi ces balais. Écoute-moi bien, fais attention. Ça c'est mon travail. Ne t'intéresse pas à mon travail dans cette parcelle. Fais gaffe. Ça sera toi et moi dans cette parcelle. Fais gaffe, je On t'ai verra. Dit. T'inquiète. Je ne veux plus te verras. Voir ici. Oh. Va à l'intérieur faire ton travail. Regarde-moi celle-ci. C'est quoi toutes ces bêtises? Je t'ai dit que moi je ne sais pas balayer. C'est mon travail. Je vais le faire seul. Oh. Toi, tu viens faire mon travail. Tu veux que les patrons me chassent d'ici? Ça ne marchera pas. Parce que si c'est seulement balayer là, c'est chaque jour que je vais le faire. Bonsoir, patron. Oga. Bonsoir, patron. Oga. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que depuis le matin, quand madame avait fait ses valises, elle n'est plus revenue depuis là-haut. Je pensais même qu'elle allait venir un moment, mais jusque-là, je ne la vois toujours pas. Bon, madame, elle...
Ces jours-ci, elle ne sera pas avec nous. Elle a voyagé. Comment, Oga? Hein? Je comprends pas. Hein? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous dites? Désolé. Madame a voyagé. Hey. Servi. Va dehors. Monsieur? Je ne veux pas manger. Mais monsieur, vous n'avez rien mangé avant de quitter la maison. Et maintenant que vous êtes revenu, vous êtes là tout seul. Vous n'avez même pas pris bain. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire? Essayez de manger. Est-ce que tu es sourde? Es-tu devenue sourde? Sors-vous d'ici. Sors d'ici! Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, Sandra, je crois qu'abandonner Chris n'était pas la meilleure chose. Ce gars ne fait que m'appeler depuis le matin. À chaque fois que je rallume mon téléphone, il est la première personne à m'appeler. Peut-être qu'il est très blessé parce que je l'ai abandonné. Ma chérie, c'est la culpabilité qui le dérange. Je veux dire, il sait qu'il t'avait menti et alors il cherche à arranger les choses. Mais ça ne va pas marcher, ok? Il cherche juste à réparer et de s'excuser, c'est tout. C'est exactement ça. Il aurait dû me dire la vérité. Sandra, tu sais que je l'ai supplié pour qu'il me dise la vérité. Mais il continuait avec cette mensonge qu'il m'a raconté. C'est pour que tu découvres quel genre d'homme il est. Ma chère, arrête de penser sur tout ce qui concerne cet homme. Ok? Ma chère, tu as encore une très longue vie devant toi. Je veux dire, ma chérie, oublie Chris et vis ta vie. Un homme infidèle ne peut jamais, jamais changer. Ok, alors qu'en est-il de la bonne? Je crois que je dois rentrer à la maison pour la renvoyer. Mais bébé, elle n'a pas encore touché son salaire. Laisse-la toucher son salaire à la fin du mois. Et elle partira. Mais pour le moment, je vais envoyer un message à Chris de ta part. Ok. Maintenant tu as bien parlé. Alors ma chérie, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour un homme. Je t'en prie, tu es toute belle. Un homme qui ne s'inquiète même pas pour toi. Tu sais de quoi je parle now? Hein? Monsieur. Monsieur, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé entre vous et madame. Mais vous devez quand même être fort.
Vous avez vraiment l'air misérable depuis hier. S'il vous plaît, monsieur. Rappelez-vous que vous avez une vie devant vous. Merci beaucoup, Charité. J'apprécie vraiment beaucoup. Tu sais, on s'est mariés il n'y a vraiment pas longtemps. Et nous étions vraiment heureux. Jusqu'à ce qu'elle... Je comprends. C'est bon. Peu importe la raison de sa colère, je suis sûre qu'elle finira par se calmer et revenir à la maison. Vous devez être heureux. Vous devez vous donner la chance d'être heureux, monsieur. Vous devez manger. Honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de manger quoi que ce soit. Monsieur, j'ai préparé les riz et les haricots. C'est très délicieux. Vous allez aimer. Je sais que vous avez faim. Mangez quelque chose. La nourriture n'a rien à voir avec votre mésentente. S'il vous plaît. D'accord. Que je la porte ici ou soit vous viendrez à table. Je viendrai là-bas à la table. D'accord. Un milliardaire et je veux devenir un milliardaire. Milliardaire et je veux devenir un milliardaire. Un milliardaire. Je deviendrai un milliardaire. Ta nourriture est là. Quitte-la avec ta nourriture que tu viens de m'apporter là. Hein? Pourquoi tu veux que je mange la nourriture qui vient d'une mauvaise personne comme toi? Monsieur, c'est quoi ton problème? Hein? Donc j'ai mal fait de t'apporter à manger? Tout ce que tu as fait, c'est mauvais. Oui, parce que tu es une mauvaise personne. Hey. Moi, ou bien une mauvaise peut-être, personne. Hein? Oh. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh! Tu penses que je ne connais pas? Oh. Tu penses que j'ignore que c'est toi la cause des problèmes entre patron et madame? Tu es une mauvaise personne. Tu es vraiment méchante. Tu es très méchante. Tu veux dire quoi? Tu sais quoi? Tu es un homme stupide. Moi? D'ailleurs, tu es fou. Tu crois que je vais rester là et te voir m'insulter? Tu es fou. Que tu manges ou pas, ça m'est égal. Hey, ne laisse pas là-bas. Hey, je laisse ça ici. Ne laisse pas là-bas. Si tu regarde, enlève ta nourriture maintenant. Idiot. D'ailleurs, moi? C'est vraiment de ma faute. Je n'aurais pas dû t'apporter à manger. Ok. Hein? Un grand chef de sécurité. Directeur en chef de la sécurité. Toi, tu m'appelles inutile. Viens prendre ta nourriture. Oh. Viens prendre ta nourriture. Et puis, tu penses quoi? Tu l'as même mis sur mon chapeau présidentiel. Pas de problème. Je sais ce que je vais faire avec toi. Méchante. Méchante femme. Viens chercher ta nourriture, oh! Je ne sais pas ce que tu cherches dans cette maison. Tu penses que je vais manger ta nourriture? Tu penses que je vais la manger? Méchante femme que tu es! Chris, elle m'a tout relaté. Et je dois te dire que je suis très déçue de toi. Pour un homme auquel j'avais tant de respect, tu as fait telle chose. Sandra, je suis innocent de toutes ces accusations-là. Chris, honnêtement, tu ne veux pas arranger les choses, tu continues toujours à mentir. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche et me dire la vérité, comme ça je vais chercher comment vous réconcilier dans la paix. Qu'est-ce que c'est? Veux-tu vraiment que j'admette ce que je n'ai jamais fait? Je ne sais pas comment ce caleçon s'est retrouvé là-bas. Sandra, toi tu es la seule personne qui ne doit pas douter de ma fidélité. Ça a volé alors pour entrer dans ta chambre? Hmm? Toutefois, je vois que tu n'es pas encore prêt pour arranger avec ta femme. Passe une bonne journée. Écoute-moi, Sandra. Sandra, s'il te plaît. Est-ce que tu sais où se trouve ma femme? J'ai besoin de la voir. Je veux la voir. J'ai vraiment besoin de réparer toutes ces choses. C'est pour que tu continues à lui mentir? Pour continuer à la blesser, c'est ça, non? Non, je ne sais pas où elle est. Sandra, s'il te plaît. S'il te plaît. Toutefois, elle était juste passée un jour là chez moi. Depuis lors, je ne l'ai pas encore revue. Passe une bonne journée.
soir. Vous avez, monsieur. C'est ton mari, monsieur, toi tu qu'est-ce appelles, qu'il y a? Monsieur. Monsieur, et vous êtes ivre. Je suis ivre. Je vais très bien, moi. Je vais très bien, moi. Je vais très bien, je vais très bien, je vais très bien. Je veux bien, monsieur, très bien. Vous êtes ivre. Laissez-moi vous raccompagner dans votre ici, chambre. Je suis vraiment confortable. Non, monsieur, vous ne pouvez pas dormir ici. C'est tout ici. Levez-vous. Laissez-moi vous raccompagner dans votre chambre. C'est tout. S'il vous plaît. Levez-vous, monsieur. Debout. Je veux bien. Je veux bien. Ne t'inquiète pas, je veux bien. Levez-vous, monsieur. S'il vous plaît. Lève-toi. 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 Pourquoi tu me pousses comme ça? Ne comprend toujours pas. Cet homme a déjà bougé avec sa vie. Je suis très déçue de toi, du fait que tu l'aies encore appelé. Je voulais juste partager la bonne nouvelle avec lui. Il doit le savoir. Bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Que tu portes son enfant? Bien sûr. Un enfant par lequel il n'est même pas intéressé ou quoi? Mais c'est juste que la grossesse lui appartient. Et alors? Hein? Est-ce que ça va changer tout ce qu'il a eu à te faire? Ma chère, tu as raison de bouger avec ta vie. Cet homme a déjà tourné la page. En effet, il s'est déjà oublié. Et voilà pourquoi tu le vois... même pas te chercher. Essaye de faire un mouvement pour essayer de finir les choses entre toi et lui. Mais je ne peux élever cet enfant seul. Mmh.
Toutefois, je peux te suggérer de avorter cet enfant, ça veut rien. Je te demande pardon. Oui, pour vivre ta vie, ma chérie. Tu sais que je dis toujours des choses qui sont vraies, tu le sais bien. Attends. Sandra? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous étiez très ivre hier soir. Oui, j'étais avec mes amis. Oui, nous avons vraiment beaucoup bu. Je ne sais même pas comment je suis rentré à la maison. Vous étiez arrivé et vous frappiez à la porte. Alors je vous ai aidé à monter dans la chambre. Et quoi? Mmh. Et attends, est-ce que nous avons Chris, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je suis désolé, monsieur. J'étais sur le point de partir quand vous m'avez tiré de force. Tirer de force? Je suis désolé. J'avais vraiment beaucoup bu hier soir avec mes amis. Je ne voulais vraiment pas profiter de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ce n'est vraiment pas de mes habitudes. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. C'est bon, je ne suis pas fâchée. Laissez-moi le temps de préparer rapidement quelque chose pour nous. Nous? Chris, quelle bêtise. C'est une bêtise. Quelle bêtise. Quelle erreur. Monsieur, votre repas est prêt. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Hein? Peux-tu imaginer, jusqu'à présent, Chris ne répond pas à mes appels? Linda, n'as-tu pas un travail qui peut t'occuper un temps, s'il te plaît? Allez, je suis sérieuse, Sandra. Je le suis. Si tu es sérieuse, tu sais comment les gens sérieux se comportent. Visite la morgue. Tu verras beaucoup de gens sérieux là-bas. Ma chère, s'il te plaît, arrête ça. Je suis sérieusement inquiète. Alors, rentre chez lui. Je ne peux pas faire ça. Tu m'as bien entendu. J'ai dit, rentre chez lui si ça va te faire plaisir. Ma chère, s'il te plaît, arrête. Tu sais que je ne peux pas faire ça. C'est à lui de venir me chercher. Maintenant, tu as répondu à la question qui était dans ton cœur. Écoute, bébé, calme-toi et sois patiente. Ok? Bouge avec ta vie et vis-la. Cet homme t'a déjà oublié. S'il avait besoin de toi, il serait venu te chercher depuis très longtemps, ma chérie. Ok? Sinon, je sais que le Dieu que je sers, qui est dans les cieux, le Je suis, l'ancien de jour, il va combattre pour toi. Il te donnera la victoire. Je sais de quoi est-ce que je parle. Sandy, mais qu'est-ce que je lui ai fait?
Pourquoi me traite-t-il comme ça? Pourquoi? Je ne lui ai rien fait de mal. Je finis avec la chambre. Viens là. Désormais, je veux que tu m'appelles Chris. Christian. Ok. Monsieur. Oh, Chris. J'ai aussi pensé, pourquoi ne pas amener tes effets dans ma chambre? Dans ta chambre, je veux dire ton lit? Je veux trouver tes histoires ici dans ma chambre, quand je serai de retour du travail. Oh, ok. Prends soin de la maison. Bye. Bye. Je ne te comprends pas, Chris. Je pense que tu m'as demandé de t'accompagner pour aller voir ta femme, pour l'amener à la maison. N'est-ce pas ce que tu m'as dit l'autre fois? Bien, j'ai changé d'avis. Pourquoi la supplier pour quelque chose que je n'ai pas fait? Elle a décidé elle-même de quitter le mariage. Alors je lui donne seulement ce qu'elle veut pour que je me concentre encore sur ma propre vie. Est-ce que vraiment tu es conscient de ce que tu dis? Tu es sûr que tout va bien avec toi? Tout va très bien, tout va parfaitement très bien. Je vais juste mettre mon passé en arrière, tu vois. Pour que je me concentre encore beaucoup plus sur une vie sans stress. Pourquoi tu dis tout ça? Tu veux dire que tu es donc prêt à tout oublier, juste comme ça? C'est donc ce que tu veux me dire? Stanley, elle m'a vraiment oublié.
très vite. Mais c'est vraiment bizarre, je ne te comprends pas. N'est-ce pas, tu m'as dit que elle t'a appelé plusieurs fois et toi tu n'as pas répondu à ses appels. Oui, je ne voulais vraiment pas. Entendre sa voix ces jours-ci est vraiment, vraiment, vraiment ennuyeux. Tu ne vas pas comprendre, Stanley. Ah, je ne comprends rien. Sérieux. Moi seulement, tu ne peux pas comprendre. Pour de vrai. Viens là. Essaie de m'attraper. J'arrive. Oh, madame, bienvenue. Bienvenue, madame. Tu es devenue fraîche. Bon, où est-il? Qui? Oh, vous voulez parler de monsieur? Mon patron n'est pas là, mais il reviendra bientôt. Dis-moi, est-ce qu'il côtoie d'autres filles depuis que madame est partie? Ah, non, je n'ai pas vu mon patron avec une autre femme. Ah. Oui, madame. Où il y a une information que tu me caches? Ah, non, madame. Comment pourrais-je vous cacher une information après tout ce que vous avez fait pour moi? Ah, madame, je ne suis pas comme ça. Ah. Ok, je vais l'attendre dans sa chambre. Ah, madame, non, non. Pas là-bas. Ah, madame, ça ne sera pas possible. Je ne peux pas vous laisser entrer dans la chambre de mon patron comme ça. Oh, attends. C'est à moi que tu parles ainsi? Oh, non. Je ne fais que faire mon travail. Je vois. Tes jours sont à compter dans cette maison. N'importe quoi. Comment vas-tu, mon cher? Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Je sais comment la vie est difficile pour un homme dont sa femme a quitté la maison. Comme tu peux voir, je suis bien et en bonne santé. Ce qui est venu vraiment pour me détruire m'a plutôt sauvé. Et comme tu peux voir, je suis heureux et satisfait. Tu parles comme si tu as remplacé quelqu'un dans ta vie. Peu importe, je t'ai apporté la nourriture. Je sais même pas comment est-ce que tu vis ici. Bien, tu n'aurais pas dû faire ça. Charity fait un très bon travail et prend très bien soin de moi. La nourriture qu'elle me donne, c'est la meilleure. Je veux dire, les plats vraiment succulents et très appétissants. C'est vrai ça? Oui. En fait, je vais lui donner un peu d'argent pour qu'elle me fasse quelque chose à manger. Elle sait vraiment préparer cette fille. Tu vas vraiment l'apprécier. Charlotte. Oh, ne l'appelle pas. Arrête. Ça va. Ça va très bien. T'inquiète. Ok, laisse-la venir. Charlotte. Monsieur. Monsieur. Prends cette nourriture. Tu peux le donner au chien, hein? Ou tu peux le donner au gardien, je m'en fous, faisons ce que tu veux. La nourriture que tu es en train de faire là, fais pour deux personnes, elle peut savourer avec moi. Non, ce n'est pas important, j'étais déjà en route. J'ai parté au salon, alors je m'étais dit de passer te voir avant d'y aller.
J'espère que tu comprends. Si je mange ici, je n'aurai vraiment pas assez d'espace pour manger ce oui, que je comprends. Ah, Charité, s'il te plaît, aide-moi à nettoyer les bols comme ça. Je vais rentrer avec, d'accord, s'il madame. Te plaît. Oh oui, à propos, comment va ton amie Linda? J'espère qu'elle s'est déjà trouvé un autre homme. Hmm? Au revoir, madame. Hé, hey, attends. J'espère que tu n'as pas un dossier avec Chris. Ah, ah. Parce que je n'ai pas compris ses attitudes envers moi. Ah. Y a-t-il quelque chose? Tu sais de quoi est-ce que je parle? Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais absolument rien. Peu importe. Je ne dirai plus un mot à propos. Mais j'espère que tu ne vas pas à côté de mes instructions. Quelque part. Comment pouvait-il me rejeter comme si je ne suis pas une femme? C'est sûr qu'il côtoie une autre fille. Et je dois connaître cette fille qui veut me piquer l'homme que j'aime. Oui. Et pour Charité, je veux la faire disparaître et personne ne saura où est-ce qu'elle se trouve une fois qu'elle sera payée. Sandy? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air abattue. Oui, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Maintenant, mamie, disons que ma mère est sérieusement malade. Oh mon Dieu, je suis très désolée. Tu dois aller la voir immédiatement. C'est ce que je planifie. Je planifie de voyager demain pour la voir. Oh, t'inquiète pas, ma belle, ok? Elle ira bien, détends-toi. Merci. Reprends-toi. Allez, elle ira bien. Ok, ok. T'inquiète pas. Que vous faites ici? C'est quel genre de question stupide comme ça? Je veux dire, es-tu folle ou quoi? C'est à moi que je parle de la sorte. Désolée. Ah ah. Désolée pour toi-même. Maintenant, sors de ces lieux. Madame? Vite. Tu m'as entendu? J'ai dit sors de cette chambre. Mais madame, ça c'est la chambre de mon patron. Et moi, je suis la raison pour laquelle tu travailles ici. Alors, sors de cette chambre avant que je ne me fâche. Et lorsque je finirai avec toi, tu sauras que c'est moi qui ai fait que tu sois ainsi. J'étais pris dans la brousse, animal. Je ne te blâme pas. Maintenant, elle a la bouche pour parler, n'est-ce pas? Elle tient face aussi avec moi.
Je sais ce que je veux faire. Chris, tu es sûr de ne pas commettre une erreur? Je veux dire, comment tu peux te mettre en couple avec ta bonne pendant que ta femme est là? Mais quelle femme? Vraiment, mais de quelle femme parles-tu? Tu veux me faire croire qu'elle ne fournit aucun effort pour se remettre en relation avec toi? Oui, mon frère, je... Cela ne m'intéresse plus. Tu vois, Charity... Oh, désolé. La servante, il faut l'appeler comme ça. Elle peut être timide. Elle peut avoir tous les défauts qu'elle a. Comme vous le dites là. Mais... Elle est vraiment merveilleuse et fantastique. En ce qui concerne les affaires du lit, tu vois. Aussi, elle s'est vraiment très bien préparée, mon frère, je te dis. Elle prépare vraiment très très bien. Crois-moi, Chris. Tu commets une énorme erreur. Linda est toujours ta femme. Et tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec n'importe quelle femme. Écoute, c'est ce qui va vraiment te choquer. Tu connais Sandra? L'amie de Linda. Oui, oui. Elle est aussi intéressée par moi. Elle m'a presque violé dans ma propre chambre à coucher. C'est pas possible. Ce n'est pas Sandra que je connais. Oh, tu ne le connais pas très bien du tout. Écoute, Stanley. Si je fais ce que je fais, ce n'est pas par colère. Ma femme, c'est elle qui m'a poussé. C'est elle qui m'a mis dans toute cette situation. Elle m'a accusé faussement de quelque chose qui n'est même pas dans ma tête. Sur une échelle de 1 à 10, il n'y en a même pas. Elle sait très bien de quoi je parle. Alors, oublions toute cette histoire. Mais j'apprécie. J'apprécie vraiment. On doit partir, mon cher. C'est pas quoi ici? T'es de retour? Mais c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il se passe ici? Arrête bébé, ne sois pas dingue. Je suis là pour te donner tout ce que tu as manqué de ta femme. Viens. Tu sais... Sandra... N'es-tu pas la meilleure amie de ma femme? Oui, je le suis. Et qu'est-ce que tu fous ici dans ma chambre? Arrête bébé. C'est juste question du cœur. C'est tout ce que je veux. Je suis là pour toi, chérie. Pour te satisfaire. Te donner la satisfaction que tu as manqué de ton ex-femme, chérie. Je veux dire, je suis venue pour ça. C'est tout ce que je veux. Alors, chérie, approche-toi. Fais-moi crier. Oh, oui. Je te donnerai tout ce que tu voudras, chérie. Je suis là pour toi. C'est vraiment clair que tu es devenue folle. Maintenant, sors d'ici. Sors de ma chambre! C'est ma serviette. Mais où sont tes vêtements, dis-moi? Laisse-moi. Voilà. Va-t'en d'ici. Sors d'ici maintenant. Arrête ça. Chris, arrête. Il faut que suis-je tu partes. Pas bonne pour toi ou quoi? Je te fais hors de ma maison. Je n'arrive pas à comprendre ça. Madame, lève-toi et pars. Sors d'ici, Sandra. J'espère qu'elle est partie. Oui, elle est partie. Mais est-ce que tu peux imaginer? Je vais dire à ce portier de ne plus jamais la faire entrer ici dans cette maison. C'est quelle bêtise ça? Parfait, je ne sais même pas ce qu'elle vient faire ici. Elle est très mauvaise. Exactement. Elle ne mérite pas du tout d'être appelée amie. Si tu vois comment son amie Linda fait ses louanges ici. Et pourtant elle n'est qu'une prostituée comme ça. Bébé, calme-toi, elle est déjà partie. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu sais que j'aime te voir heureux. Hein? Allez, mets-toi, laisse-moi te rendre heureux. Bien sûr.
J'aime te voir sourire. Oh. Ouais, et tu sais très bien prendre soin de moi. S'il te plaît, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit que ton mari a une relation. Et alors, comment es-tu au courant de ça? Je le sais très bien. Je vois, tu le sais. Peu importe, c'est bien pour lui. S'il s'amuse, ça m'est égal. Attends, c'est tout ce que tu peux dire et faire? Et que veux-tu que je dise ou je fasse? Hein? Que veux-tu que je dise? Tu as dit qu'il est en train de s'amuser, alors qu'il soit ainsi? Arrête ça, Linda. Arrête, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te dis que ton mari a une relation et c'est tout ce que tu trouves à me dire? S'il entretient une autre relation, ça m'est complètement égal. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile que tu ne comprends pas? À propos, d'où te vient cette soudaine envie de s'intéresser à ce que Chris fait ces derniers temps? N'est-ce pas toi la même personne qui m'avait conseillé d'oublier Chris et d'avancer avec ma vie? Oui, mais... mais ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas normal. Tu sais, j'ai pensé qu'il pouvait rester fidèle. Ou être seul au lieu de côtoyer une autre femme. Tu sais, Linda, si tu me demandes, je veux te dire que tu mettes un point sur ce dossier. Tu sais, essaie juste de faire semblant. Ok. Sandy. Tu comprends? C'est pour ton bien. Oh. Je veux dire, s'il reste 5 temps, ça va t'aider. Un jour, il pourra encore te récupérer. Tu vois un peu? Sandy. Oui, ma chérie. Tu n'es pas sérieuse quand tu me demandes de faire ça. Peu importe. Je crois que maintenant, c'est à mon tour de te demander. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Quoi? Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Comment est-ce qu'un sous-vêtement peut mystérieusement se trouver dans ma chambre couchée? Et c'était la première nuit que Charity a eu à passer dans ma maison. Et maintenant, tout soudainement, la femme qu'il a présentée à ma femme veut m'avoir à tout prix. Et je vois qu'elle fait peu d'efforts ou aucun effort pour nous unir, moi et ma femme. Elle a sûrement eu une possibilité d'entrer ici, dans ma chambre. Quand je n'étais pas là. Et pour ça, Charity n'a rien fait du tout.
Et si Charity était en mission, ici dans ma maison? Chris, tu dois vraiment être sage. Ceci n'appartient pas à Charity. Mais avec quel moyen elle s'est acheté tout? Tous ces sous-vêtements de ce genre. Une femme ménagère ordinaire. Avoir trois sous-vêtements d'une aussi haute qualité comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout bien ici dans cette maison. Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Oh, est-ce que cette fille s'appelle vraiment Charity? Qui est là? C'est moi. C'est toi qui? Hey, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Madame, vraiment que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, tu es revenue. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est notre bonne. Cette fille est méchante.
Cette fille est une méchante fille. Comment? Hé! Tu demandes comment? Madame, vous savez, juste après deux jours, quand cette fille est venue de cette parcelle, mon patron a chassé madame de la parcelle. Elle a vu que cela n'était pas assez. Et maintenant, cette fille a commencé à faire tout le travail. Même tout mon travail dans cette parcelle, il veut que le patron me chasse aussi. Hein? D'ailleurs, de quoi je parle même? Le patron m'a même dit, si je ne fais plus rien dans cette parcelle, il va déjà me virer. Mais pourquoi? Pourquoi peux-tu faire ça? Madame, la question n'est plus de demander pourquoi. Mais je vais encore faire quel travail dans cette parcelle? Le pire est déjà arrivé. Je les ai déjà vus, les deux, pendant qu'ils dormaient ensemble. Quoi? Madame, il n'y a pas de quoi. Es-tu sérieux à propos? Si je suis sérieux, mais quel autre travail je fais si ce n'est pas celui de surveiller tout ce qui se passe dans la parcelle? Merci énormément. Madame, est-ce qu'il y a la maison? Madame, attends. N'y va pas maintenant, attends encore. Je ne sais même pas ce qu'elle a fait au patron. Le patron ne va plus au boulot. Vraiment, mon patron n'a plus honte. Hey. Le patron n'a pas de choix. Quand ils le font, ils n'ont même plus honte de moi. Ils s'embrassent dans toute la parcelle, ils font des jeux, ils tournent toute la parcelle. Ils font des jeux dans toute la parcelle, je les regarde. Peu importe, il est à l'intérieur, n'est-ce pas? Ils sont là, et si tu penses que je mens, tu peux aller vérifier. Merci. Hey, c'est encore quoi ce problème? Ah. C'était toi. C'est toi qui as mis ces sous-vêtements sous mon oreiller pour que ma femme m'accuse d'infidélité quand elle le verrait et me quitte. Monsieur, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle. Waouh. Tu es vraiment une actrice. J'ai trouvé ceci dans ton sac. Ça. C'est une très haute qualité des sous-vêtements. C'est vraiment trop cher pour une simple servante. Et j'ai trouvé ça. Charity, dis-moi avec qui tu communiquais avec ce téléphone. Monsieur, je t'en prie, pardonne-moi. Pardon, ce n'était pas mon intention, monsieur. Je t'aime et je serai prête à faire n'importe quoi, tout ce que tu me démontreras. Tu sais ce que moi je veux? Je veux que tu montes là-bas dans ma chambre et tu prends tout ce qui t'appartient et tu quittes ma maison immédiatement. Non, monsieur, tu ne peux pas me faire ça, pitié. Pitié, monsieur, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part. Ok, très bien, pitié, très bien. Pardonne-moi, monsieur. Je vais le chercher moi-même. Pardon. Parce que je ne veux pas voir ça, tes sales pieds ça, monsieur, dans ma chambre à coucher. Je suis désolée, monsieur. Je suis désolée. Comment oses-tu? Tu m'avais dit que tu n'allais pas coucher avec lui, c'est quoi ça? Tu m'as menti. C'était ça notre accord? C'était ça notre plan? De quel accord es-tu en train de parler? Hein? De quel accord es-tu en train de parler, Sandra? Il se passe quoi ici? Monsieur, je vais confesser, je vais tout dire, je dirai toute la vérité, je suis fatiguée. Ferme ta bouche, tais-toi! La ferme! Ferme ça! Je ne fermerai pas ma bouche! Il est grand temps qu'ils connaissent la vérité! Madame, cette femme ici présente m'a demandé de gâcher ton mariage pour qu'elle prenne ta place. Et après avoir gâché ton mariage, j'étais tombée amoureuse de monsieur. Devais-tu tomber amoureuse de lui? Devais-tu tomber amoureuse de lui? C'était ça notre plan? Vas-y, dis-moi! Sandra, qu'est-ce qui se passe ici? Attends. Est-ce toi qui lui avais demandé de poser ses sous-vêtements sous mon oreiller? Oui, madame, c'est bien elle. Je ne faisais que suivre ses ordres, madame. Oui, je l'avais fait, Linda. Je l'avais demandé de briser ton couple. Je l'avais fait. Mais pourquoi? Dis-moi,
Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, Sandra? Linda, j'avais mes yeux sur Chris avant qu'il ne puisse te rencontrer. Je croyais qu'il devrait me voir, mais il est passé sur ton chemin. Et depuis lors, je cherche à captiver son cœur. Mais il n'y avait pas moyen que je le fasse pendant que tu étais dans la maison. Alors je devais te mettre hors de sa vie en premier lieu. Voilà pourquoi je devais entrer en contact avec cette folle ici. Pour qu'elle travaille chez toi comme une bonne. Mais elle a gâché tous mes plans en tombant amoureuse de lui. Madame, je suis désolée. Pardonne-moi. Je vais m'en charger de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis désolée, chérie. Je n'aurais pas dû laisser tout ça arriver, ma chérie. Veux-tu me pardonner pour tout ça? Allez, chérie. C'est pas à toi de me présenter des excuses. C'est plutôt moi. J'aurais dû te croire dès le début, bébé. Allez. Je suis désolée. Désolée, bébé. Pardonne-moi. Monsieur, je suis désolée. Pardonne-moi, monsieur. Quant à toi, Sandra, Dieu va te punir. Il va aussi te punir. Fouille-moi celle-là. Regarde, tu crois que mon mari peut me laisser pour venir vers toi? Pourquoi ne pas te laisser? Pourquoi? Il peut aussi te laisser, fait pour quelle raison? Regarde-moi celle-là. Regarde-toi bien. Dégage. Sors de ma maison. Assez. Je m'en vais. Va-t'en. Assez. Sortez, vous toutes, sortez. Sortez de ma maison, je ne vais plus vous voir. Je vais m'en charger de toi. Partez, sortez. Sors. Tu verras. Attends, je te promets. Va-t'en. Partez de ma maison, sortez. Viens jeter ces histoires hors d'ici. Hanosier, je ne veux plus jamais voir ce défaut ici dans cette parcelle. Je suis désolée. Vraiment désolée. Ça va. J'aurais dû te croire. C'est bon. C'est bon, mon amour. Pardon. C'est bon, chef. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Thank you.